Salut les gens, c'est Tardarine. Aujourd'hui, je vous propose une petite découverte parce que ça fait très très longtemps et que grâce à Sobeka, j'ai découvert un petit jeu gestion builder, tout choupi, tout mimi, tout détente. Ça s'appelle Minami Lane, c'est dispo sur Steam, ça coûte 5 euros. C'est pas un gros jeu, hein. On va pas y passer des heures et des heures. Je vais juste vous faire une vidéo de découverte parce que sinon, je vais vous spoil tout le jeu, ça ne serait pas drôle. De quoi est composé le jeu? Alors, il y a 5 missions à l'heure actuelle qui vont vous permettre d'acquérir en fait la connaissance des mécaniques du jeu progressivement. Ces missions vont consister à atteindre un objectif. Il y aura aussi un objectif secondaire à chacune des missions si vous voulez y aller avec un petit peu plus de challenge. Et encore, challenge, c'est un bien grand mot. Mais pour vous mettre un tout petit peu plus de... Je dirais même pas de difficulté, c'est juste de réflexion dans la façon dont vous allez aborder chacune des missions. Nous, on va pas aller sur ces missions-là parce que ça risquerait de vous spoil si jamais le jeu vous intéresse et que vous avez envie de l'acheter une fois que vous aurez vu la vidéo. Nous, on va partir plutôt sur le mode sandbox. Alors j'ai fait deux parties, une en mode planeur, comme c'est marqué là. Et le jeu pour l'instant, il est que en anglais. Il y en a une en mode créatif si vous voulez juste vous faire deux jolis paysages. Nous, on va aller en mode planificateur, parce que c'est comme ça que je vais vous présenter, grosse maille, la majorité des fonctionnalités. Je vais essayer de pas tout vous montrer non plus, parce que sinon l'émission n'aurait plus d'intérêt derrière, hormis pour le fait de réussir la mission en tant que telle. Et du coup, on va restart une nouvelle partie. Donc nous voici sur le mode bac à sable. Comme c'est indiqué ici, la rue est entièrement nôtre, on peut construire comme on souhaite. Et ça nous met en garde sur le fait que les mises à jour ne se font qu'à la fin, non, qu'au début de chaque jour. Donc là, on n'aura pas de mise à jour tout de suite. Il faudra qu'on attende d'avoir passé au moins un jour pour pouvoir avoir une sauvegarde. Les sauvegardes sont automatiques. Vous avez automatiquement une sauvegarde pour les missions, une sauvegarde pour chacun des types de modes bac à sable. Ce qui fait que vous pouvez revenir à tout moment sur l'une ou l'autre, comme vous voulez. Allez, c'est parti. Chaque jour. Je sais plus dans quelle mission ça apparaît, mais chaque jour, vous aurez des informations qui vont vous arriver et qui vont vous donner une indication sur un événement particulier pour le jour ou à partir de ce jour. Là, aujourd'hui, on a un discount sur les cailloux, les onsen sont, enfin les onsen, les sources chaudes, les bains chauds, comme vous voulez. Normalement, onsen, c'est sources chaudes. Sont 50% moins chers. Alors ça pourrait être intéressant, mais chaque bâtiment qu'on va vouloir construire ont des prérequis. En l'occurrence, pour construire un onsen, il faut 10 personnes. Donc cet événement, aujourd'hui, malheureusement, pour nous, il ne sert à rien. C'est pas des événements qui sont ordonnés, c'est vraiment aléatoire. Vous allez avoir aussi bien des bonus que des malus. Ça va dépendre vraiment de la chance que vous allez avoir. Donc on ne peut pas construire d'onsen. C'est fâcheux. C'est très fâcheux. Je pense que pour commencer, on va se construire une petite échoppe de ramen. Ça va être pas mal. Ça ne nous coûte que 100. Ça va nous laisser 300 derrière. Donc on pourra avoir des revenus en stock pour le prochain ou pour construire autre chose, puisque si on veut produire, construire un certain nombre de bâtiments, il y a toujours un prérequis, soit sur le nombre de villageois, soit sur le nombre de villageois et la satisfaction globale de nos habitants. Donc, il faut pas qu'on se viande, il faut pas qu'on se viande. Et je pense que on va commencer. Alors, il y a une question que je me pose, est-ce que je peux construire la maison pour les personnes âgées? Alors oui, je pourrais. Pourquoi il serait intéressant d'avoir ça relativement vite? Les personnes âgées ont plus de sous et donc peuvent acheter plus cher ce que vous allez vendre dans vos échoppes. Donc pour l'instant, je vais partir sur une petite boutique de ramen que l'on peut customiser. Chaque bâtiment que vous allez construire aura jusqu'à 3 options, certains n'en auront que 2. Il y en a une option pour définir quelle forme du toit vous allez adopter. Moi j'aime bien la forme numéro 3 pour les échoppes de ramen. Quelle couleur vous allez également prendre? Je pense que pour commencer, un petit toit marron et une petite façade jaune, ça serait pas mal, ça m'irait bien. Ça coûte absolument rien en fait, vous n'allez pas modifier le prix en fonction des options que vous allez choisir. Là-dessus, il n'y a pas de,
Pas de souci. Comme on est sur une échoppe de ramen, on va avoir la possibilité de choisir quels sont les ingrédients qu'on va retrouver dedans. Alors si je fais une échoppe pour les personnes plutôt âgées, de base, je crois qu'ils ont une préférence pour la crevette plutôt que le porc. Donc on va intervertir les deux. Je vais augmenter tout de suite le prix aussi, parce que nos personnes âgées peuvent acheter des trucs plus chers. On va partir là-dessus. On va voir ce que ça va donner, en espérant bien évidemment que ce soit un petit vieux qui arrive dès le premier jour, ce serait pas mal. Si c'est quelqu'un de plus âgé, c'est pas grave, on va toujours quand même gagner 10. C'est toujours mieux que rien. Donc on va partir là-dessus pour commencer, et on verra bien. Je vais peut-être renommer l'échoppe, on va appeler ça Sauvé Case Ramen, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert le jeu, faisons-lui hommage. Zou! Et ensuite, on n'a plus qu'à commencer le jour. Vous allez avoir, petite pause, des éléments qui sont cliquables sur votre rue, à savoir ici des petites lunettes. Quand vous cliquez dessus, ça va vous rapporter un petit peu d'argent. Vous allez trouver en fait un tanuki, qui est une créature mythique japonaise. Parce que oui, vous l'aurez deviné, on est dans un thème très japonais. Et c'est ce qui va vous rapporter le plus de sous au départ, hein, parce que 30 balles, c'est pas ça qui va se faire rapidement. Hop, alors petite pause. Si vous cliquez sur les personnes, une fois qu'elles sont allées dans une de vos échoppes, elles vont vous dire ce qu'elles apprécient. Là, en l'occurrence, on a un jeune et il aimerait moins de crevettes. C'est normal parce que les jeunes préfèrent globalement les recettes de ramen avec du porc plutôt que de la crevette. Il y a là toujours la possibilité de sauvegarder. Ici en cliquant sur la petite icône, et quand vous aurez le rapport de fin de journée, ça va vous donner en fait tous les éléments d'information dans le résumé que vous allez avoir. Et quand vous allez arriver le deuxième jour sur l'interface en fait de votre échoppe de ramen, vous allez avoir également ce résumé qui va apparaître et qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'infos. Donc là, on a fini la journée, il est 8h. On a toutes les informations au niveau de la satisfaction, du nombre d'habitants, de l'argent qu'on a gagné. Donc vous voyez, on a gagné plus d'argent en cliquant sur le tanuki qu'en vendant quoi que ce soit. Jusque-là, c'est logique. Si on passe sur le rapport suivant, on passe sur le rapport des échoppes. Donc à l'heure actuelle, la recette, elle est moyennement intéressante pour nos amis les jeunes. Mais c'est pas grave, c'est pas sur eux qu'on va compter au départ. Elle est trop chère, parce que les jeunes préfèrent les prix plus bas. Et du coup, bah là, ça nous se dit que ce que ça nous a rapporté. Si on va sur le rapport suivant, on a un détail de la satisfaction générale avec tout ce qui influe sur cette satisfaction. Donc là, on est à 26% parce qu'on a nos recettes qui sont à peu près correctes, on a les prix qui sont à peu près corrects. Par contre, ça manque de beauté et ça manque de diversité. Et enfin, comme aujourd'hui, on n'a pas pu caresser de petits chatons mignons, de Kawaii Neko. On n'a pas de bonus de satisfaction pour ça. Donc je vais passer, on va arriver au jour numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Offre spéciale sur les arbres, les parcs coûtent 50% moins cher à construire. Waouh! Je crois que pour les parcs, il nous faut 5 habitants. Sinon, ça aurait pu être intéressant. Ouais, il faut 5 habitants. C'est dommage, ça aurait coûté que 75, ça aurait été tellement bien. On a vraiment pas de chance là sur les événements. Qu'à cela ne tienne. Du coup, on va se faire une maison avec des personnes âgées, parce que c'est pour eux qu'on fait principalement cette échoppe. Donc à mon avis, c'est le bon plan, ça va nous rapporter un tout petit peu plus de sous-sous. Et il nous reste 140 balles. Pour l'instant, mais on aura forcément plus 30, donc ça va être plutôt une bonne chose. Niveau toit. Alors ça, c'est à peu près le même style, on va éviter, j'aimerais bien faire un petit peu de diversité. Niveau couleur, j'aimerais aussi faire un petit peu de diversité. Mais je suis pas trop transcendé par ce qui m'est proposé là. Un petit toit vert avec un petit côté vert. Un petit toit rouge. Ah, petit toit rouge, ça pourrait être sympa ça. On est sur des couleurs un peu plus chaudes. On va partir là-dessus. J'aime beaucoup. Très bien. Et ici, je crois qu'on avait... Un jeune. Encore un jeune. Toujours un jeune. Plus d'œufs. Plus d'œufs, moins d'œufs. Il faudrait savoir ce que vous voulez, les jeunes. Hein. Terrible, ça. Terrible. Petit bug du jeu, je pense.
Allez, on commence. Plus 30 balles. Alors là, ça m'a tout l'air d'être une personne âgée qui voudrait plus de crevettes. Ok. Ça, c'est un jeune, on s'en fout. Ça, c'est quelqu'un de plus âgé qui voudrait plus d'œufs. On va prendre. Ah, on a un jeune qui s'est installé dans la maison de personnes âgées. Ok. Plus d'œufs, c'est bon. Parfait. C'est pas mal. Je vais laisser accélérer un tout petit peu le temps pour que ça avance un peu plus vite. Bah, pas eu grand-chose aujourd'hui, hein. Mais on a commencé à se faire un peu plus de sous grâce à nos échoppes. Parfait, c'est une bonne chose. Alors, spécial discount on concrete. Les maisons modernes coûtent 50% moins cher à construire. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, on va le faire. Ça va nous coûter que 50, c'est très bien, ça va nous rapporter plus de personnes. Alors, ça va être majoritairement des jeunes. Je vais prendre un toit comme ça. Je vais changer un tout petit peu la couleur. Que du vert, alors du vert un peu plus foncé. Oh, ça c'est pastel, c'est Mimi. Allez, on va prendre ça. On commence la journée, petit coup sur l'appareil photo. Oh, j'ai oublié de changer la recette, mince. En soi, c'est pas gravissime, ça n'a d'impact que sur la satisfaction des gens. On devrait pouvoir s'en dépatouiller sans trop de problèmes. Ah, un petit cycliste, quand il y a des cyclistes qui arrivent, cliquez dessus. Ça va vous rapporter 15 de sous-sous. Et ça, c'est toujours bon à prendre. C'est un demi-tanuki, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez en avoir plusieurs par jour. C'est dépendant, je pense, de la quantité de villageois que vous avez, principalement des jeunes. Mais j'ai pas de règle particulière sur le nombre de personnes qu'il faut pour avoir un ou plusieurs vélos. Ok, donc satisfaction, c'est un petit peu en baisse. Mais on va pouvoir le remonter assez facilement. New trend, picnics. Donc il y a des pique-niques en nouvelle tendance, donc les gens vont laisser deux fois plus de déchets derrière eux. Si on ramasse les déchets qui vont apparaître sur la carte, on va pouvoir gagner un petit peu de sous également, parce que la propreté, ça a son importance. Alors ici, ils nous disent quoi? Plus d'œufs. Et de mémoire, est-ce qu'il nous avait dit plus de crevettes? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. On va partir là-dessus. Et comme on a un peu d'argent également, on va pas le faire. Misclick, génial. Je voulais me construire une deuxième échoppe de ramen, justement spécialisée pour les jeunes. De façon à ce que bah, on ait plus d'informations sur surtout plus de satisfaction à pas cher. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, parfait. Donc on va voir les infos. Donc quand on construira notre deuxième échoppe de ramen, on pourra se baser sur les informations qu'on a récoltées aujourd'hui auprès de nos jeunes pour pouvoir leur construire un restaurant de ramen qui leur conviendra directement. Hop, un petit cycliste, un petit peu de déchets à ramasser à la main. Ouais, il voulait effectivement plus de crevettes. J'aurais pu leur en rajouter. Parfait. Donc cette fois-ci, les personnes âgées ont un peu plus d'argent parce qu'ils ont des bénéfices supplémentaires sur leur retraite. Les petits chanceux. Alors. Mia veut plus de porc, toi tu veux plus de shrimp, on va te rajouter du shrimp, on va te faire payer deux pièces plus chères et on va aller construire une échoppe de ramen. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre comme toit? On va lui mettre ça. Et en termes de couleur, on peut peut-être partir là-dessus. Je vais garder un petit peu de marron. Ouais. Oh. Oh. On pourrait faire ça comme ça. Ou alors. On se dit, les échoppes de ramen, c'est forcément comme ça. On reste là-dessus. Mais ça fait pas très divers.
Non. Comme ça, ce sera très bien. Hop là. Donc, on va aller regarder un petit peu la recette qu'on a ici. 2 nouilles, 0 porc, 3 œufs, 3 crevettes. Je pense qu'on pense qu'on va leur faire du coup une disco plus de porc. On va leur faire 2 nouilles, 3 œufs et 2 porcs pour commencer. Et on mettra un prix pas trop cher. Donc 2 nouilles, 2 porcs, 3 œufs. Hop, on va mettre ça à 6 de profit. Et on va appeler ceci les ramen de Canton. Ah, il n'y a pas la place. Canton, ton nom est trop long. On va appeler ça des Hermen. Parce qu'il n'y a pas la place. Si vous aussi vous voulez que votre pseudo soit utilisé dans les vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. À partir de, je crois c'est 3 euros, 5 euros, je sais plus. Un truc comme ça, par mois, vous avez le droit d'avoir votre nom dans les vidéos. Du coup, là on est bon, on est à 290. Je pense pas que ce soit suffisant pour améliorer un bâtiment. Et en tout cas, avec l'état où on est rendu à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit absolument nécessaire. On pourrait attirer plus de personnes ici en augmentant le niveau d'attractivité, en mettant une étoile de plus, ou on pourrait commencer à rendre les choses un peu plus belles. Moi, j'ai tendance à dire que l'amélioration esthétique peut se faire via des bâtiments qui sont spécifiques et dédiés à ça, donc on n'a pas forcément besoin de le faire. Je vous conseillerais plutôt d'améliorer l'attractivité, parce que ça vous ferait plus de revenus. En début de partie, je pense que c'est plus intéressant. Sur les maisons, c'est pas. Si vous n'avez pas besoin de gérer votre espace, donc d'avoir un nombre de bâtiments limité, c'est pas très très utile au départ de dépenser trois fois le prix d'une maison pour avoir autant d'habitants. Et plus 5 de beauté, je pense qu'avec un parc, on devrait s'en tirer pour moins cher que ça et avoir le même rendu. Donc au tout départ, quand vous démarrez, notamment en mode bac à sable, c'est peut-être un peu moins vrai dans l'émission, n'hésitez pas à vous étendre. Ça reviendra moins cher que de faire des améliorations. Allez, on va commencer la journée. Une petite console de jeux vidéo pour trouver notre tanuki préféré quotidien. Et ensuite, on va aller regarder ce qu'ils ont à dire sur les ramen. Le prix est trop bas. Oh, ça c'est dommage ça. Lui, il dit que c'est parfait, très bien. Ah, j'ai pas eu le temps de cliquer sur le deuxième. Parfois, les habitants sont très proches les uns des autres et ça devient très difficile de cliquer sur eux. Mais c'est pareil pour les petits chatons mignons. S'il y en a plusieurs qui arrivent depuis le même endroit, et bah c'est pas toujours évident. Ah, la recette est parfaite, le prix est bon. Ah non, c'est. Le prix est trop cher. Ok, on va peut-être diminuer le prix un tout petit peu. On se sera bien engraissé là. En plus, on parle de ramen, c'est parfait. Ah bah on a la recette parfaite direct. Mais quelle chance! Ça devrait bien booster notre niveau de satisfaction. Fin de la journée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On est à 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Eh bah, c'est merveilleux. Je vais quand même diminuer un tout petit peu le prix au niveau de la recette pour le Sobekaze Ramen. Et ensuite, on ira voir ce qu'on peut faire. Alors, quel va être l'événement du jour? Alors, les personnes âgées ont oublié les hits de leur jeunesse. Maintenant, les personnes âgées ont de nouveaux goûts en matière de karaoké. Alors oui, parce que je ne vous ai pas montré l'ensemble des bâtiments, mais si on veut se rajouter des bâtiments, nous avons plusieurs échoppes. Donc on a les ramen classiques que je vous ai déjà montré. Nous avons les combini, donc c'est des supérettes locales, des 7-Eleven par exemple, qui vont vous permettre de vendre une sélection de produits. Il y en aura 6. Généralement, il y en aura 3 qui seront au goût des jeunes, 3 qui seront au goût des personnes âgées. Parfois, il y aura un même produit qui sera partagé par les deux catégories.
C'est pas si rare que ça. Ensuite, on a les parcs, donc là, les maisons des personnes âgées. Donc là, on a les Boba Café, c'est les boutiques de bubble tea. Mais on n'a pas le niveau de satisfaction requis pour pouvoir le débloquer pour l'instant. Donc il va falloir améliorer probablement l'esthétique pour pouvoir atteindre ce 60% qui nous est nécessaire. Ensuite, on a les librairies. Bon, classique, hein, je ne vous apprends pas. C'est sur le même concept que les combini. Vous avez 6 livres au choix, certains qui plairont à certaines catégories, d'autres à d'autres. Les bubble tea, eux, c'est comme les ramen, il y aura une recette à définir. Ensuite, on a les fleuristes. Là, c'est pareil, c'est un bouquet à composer. Donc, c'est comme pour les ramen et les bubble tea. Donc, il y aura une recette spécifique pour les personnes âgées, une recette spécifique pour les jeunes. Ensuite, le karaoké qui fonctionnera comme le libraire, donc la librairie et comme comme le combini. Vous aurez 6 chansons au choix. Certaines plairont à certaines catégories de la population et d'autres à d'autres. Les onsen, donc c'est les sources chaudes, les bains japonais qui rapportent de l'esthétique, de la beauté. On a le centre de service. Alors ça, c'est très 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 utile. Parce qu'en fait, on va pouvoir comment dirais-je, recruter 4 spécialistes à l'intérieur. Un spécialiste qui va nous permettre de détruire un bâtiment et de récupérer la moitié du prix pour gagner de l'espace, etc., etc. On aura un autre spécialiste qui va nous permettre de redécorer en fait un bâtiment, moyennant un certain prix. Il y aura un troisième spécialiste qui va permettre de récupérer automatiquement les détritus que votre population va laisser dans les trottoirs, ce qui va diminuer le nombre de clics à effectuer dans votre partie pour que vous puissiez vous concentrer sur la recherche du tanuki, sur le caressage des chatons mignons et sur le cliquage sur les cyclistes. Très important. Et il y en a un quatrième que je me rappelle. Le quatrième. Ah, le quatrième, c'est le plus important. C'est celui en fait qui va permettre d'avoir des informations sur les préférences de vos habitants qui vont dans vos différentes échoppes sans avoir à cliquer dessus et à cliquer sur la petite icône de disquette symbolisant l'enregistrement. Donc ça, pour moi, c'est le plus pratique. Parce que ça vous évite d'avoir à micromanager à fond les habitants pour savoir ce qu'ils apprécient. Alors, je vais regarder vite fait le rapport. Hier, on a gagné combien? On a gagné 130, ce qui veut dire que idéalement, il nous faudrait 2 jours après avoir construit le centre en question pour pouvoir débloquer un des spécialistes qui nous intéresserait, parce que ça coûte 200 un spécialiste. Mais de mémoire, il faut 15 habitants. Ouais, donc il faut forcément que je fasse au moins une maison supplémentaire si je veux pouvoir le débloquer. Et ça, ce serait pas mal. Et le dernier bâtiment dont j'ai pas parlé, c'est l'arbre à esprit. Je crois que yokai, ça peut se traduire par esprit. Mais c'est un peu plus divers que ça, je pense. Ça englobe un certain nombre de créatures mythiques du folklore japonais. Et c'est une catégorie de population en plus de nos jeunes et de nos personnes âgées. Et eux, ils ont une spécificité, c'est que quelle que soit la recette que vous allez faire, quel que soit ce que vous mettez en vente dans vos échoppes, ils vont aimer. Et de mémoire, je crois qu'ils ne se plaindront quasiment jamais du prix. Donc c'est vraiment la population qu'il faut maximiser en fin de partie parce qu'ils font vraiment beaucoup beaucoup de bien au niveau de la satisfaction et au niveau de vos revenus. Cependant, pour les débloquer, il faut 100% de satisfaction et ça coûte 1000 balles. Et c'est pas forcément très évident d'avoir ça. Et bien, donc, là globalement, j'ai fait le tour de pas mal de choses. Je pense qu'on va se rajouter. Je pense que je vais construire un parc aujourd'hui. Je vais construire un parc comme ça, peut-être qu'avec un peu de chance, on aura des petits chatons. Je pourrais vous montrer. La news, elle nous disait quoi? Des nouveaux. Ouais, donc ça, on s'en fout, ça ne nous concerne pas. On va construire un parc aujourd'hui. Ou alors, est-ce que je peux construire un onsen? C'est encore mieux les onsen. J'ai ce qu'il faut, ça coûte 350, donc c'est un investissement qui est plus cher, mais au global, si on regarde le coût de mémoire, c'est 300, je crois, pour améliorer un parc. Donc ça nous ferait 450 et ça nous rapporterait le même niveau de beauté, je crois. On va vérifier. On va vérifier. Je vais construire un parc, comme ça, on
on le verra bien. Donc ça nous rapporte 5 de base, ça coûte 150. C'est plutôt bien vu notre niveau de finance. J'aime bien partir sur ces arbres-là. On va partir comme ça. Et si je veux l'améliorer... Ouais, c'est ça. Ah, par contre, ça rapporte plus 5. Donc ça nous ferait un total de plus 10. Donc ça... En soi, ça justifie le fait que ce soit un peu plus cher, c'est que ça rapporte plus de beauté. Ok. Par contre, il y a un avantage non négligeable au onsen, c'est que vous avez sur le bâtiment onsen une amélioration qui est à l'infini. C'est-à-dire que vous cliquez, à chaque fois que vous cliquez dessus, ça va rajouter, 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 rajouter de la beauté. Et ça n'a pas de limite. Donc c'est aussi un avantage plutôt intéressant. Mais là, en début de partie, on peut peut-être se permettre de se faire une petite économie. Et comme ça, prochain coup, on devrait avoir. On aura certainement les 300. Donc peut-être que j'améliorerai une des maisons. Peut-être la maison des personnes âgées. Pour avoir plus de population. Et ensuite, je construirai le centre de service après quelques jours. On va peut-être partir là-dessus. On récupère le Tanuki. Et j'espère qu'on aura suffisamment d'attrait pour attirer des chatons mignons. Oui! Donc voilà, les chatons apparaîtront toujours depuis ce côté-là de la rue. Donc vous pourrez cliquer dessus. Quand vous avez un élément qui est cliquable d'ailleurs, la flèche de curseur passe en bleu, alors que d'habitude il est blanc. Hop là! On a caressé notre chaton, il est content. Ça nous a rapporté des sous. C'est une bonne chose. Je vais augmenter la vitesse. Je vais éviter de regarder. La recette est parfaite, c'est très bien. Ah, à chaque fois que vous mettez la pause et que vous la retirez, vous repassez en vitesse 1. Donc si vous voulez réaccélérer le temps après, il faut le refaire manuellement. Ça ne garde pas en mémoire la vitesse à laquelle vous étiez. Donc là, on est à 398. Il y a moins de satisfaction dans la ruche. Oh! Les prix sont trop hauts. Pourtant, je n'ai rien changé. C'est peut-être l'effet des... Ou alors c'est trop bas? Non, j'y crois pas trop. Parce que c'est ça qui est marrant avec les personnes âgées, c'est que si les prix sont trop bas pour eux, ils sont pas contents non plus. C'est assez marrant. Bon, en tout cas, ça me fait rire. Maintenant, les personnes âgées ont moins d'argent. C'est embêtant. Mais je pense que c'était trop cher. Je vais baisser de 3, on verra bien. Down. Et ici, je vais également baisser de 1 parce que ça m'a l'air d'être trop cher. Et si les prix sont trop chers, ça va jouer sur la popularité de votre bâtiment, donc vous pourrez pas le attirer autant de clientèle. Alors, du coup, je suis un peu embêté parce que je voulais ramener plus de personnes âgées qui ont normalement capacité d'achat un peu supérieure, mais avec le fait qu'ils gagnent moins de sous maintenant, est-ce que c'est bien la bonne idée? Je suis pas trop sûr. Du coup, je vais aller me construire une maison, tout ce qui est plus classique. On est en mode bac à sable après tout. Et comme tout à l'heure j'ai dit que c'était quand même plus intelligent de faire ça, faisons-le. Alors, ce serait un peu monotone ça, on va partir là-dessus. Hop, alors ici. Non, il n'y avait que les prix qui posaient problème, les recettes elles étaient bonnes. Parfait, on va voir ce que ça va donner. Je vais surveiller la population. Alors il faut savoir que pour attirer les chats, il faut avoir un bon ratio entre la beauté et le nombre de villageois. Si vous avez trop d'habitants par rapport à votre niveau d'amélioration, d'attrait, vous n'aurez pas autant de chats. Et plus vous avez de niveau d'attrait par rapport à votre nombre d'habitants, plus vous aurez de chats qui apparaîtront sur la carte. Alors, est-ce qu'ils vont nous parler du prix? Non, ils nous parlent de la recette. J'aimerais bien. Ah, le prix. Ça semble bien, très bien. Eux, ils ne nous parlent pas du prix non plus. On va bien ce que ça va donner à la fin de la journée.
Allez, on accélère. On n'aura probablement pas de deuxième chaton aujourd'hui. Bon, c'est peut-être une bonne journée. En termes de beauté, on est à moins 2. Bah oui, parce qu'on a augmenté le nombre d'habitants. Donc ça, c'est logique. 19, 10, 6. Ah, c'est chez Canton que le prix est trop haut. Je suis surpris. Je suis surpris. Alors, une symphonie des tanuki en ville ce soir, ça va sûrement attirer plus de personnes âgées. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Alors, la recette est parfaite. Oui, c'est bien, mais j'aurais voulu des indications sur le prix, moi, en fait. La recette est parfaite, ok. Je vais quand même pas encore baisser la marge. J'ai vraiment pas d'indication sur le prix. Aucune. Ah, c'est vexant. C'est très très vexant. Je vais tout de suite me rajouter le bâtiment qui m'intéressait. Hop. Alors, niveau toiture. Est-ce que je pars sur du classico-classique ou est-ce que je reprends ce format-là? Non, on l'a déjà, on va prendre celui-ci qu'on n'a pas pour l'instant. Et lui, j'aime beaucoup quand il est tout en vert comme ça, je le trouve très joli. Hop. Donc comme je vous le disais, on a les différents spécialistes que l'on peut recruter. Pour l'instant, on n'a pas les sous. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous a fait deux personnes en plus en termes d'habitants. Donc ça va encore diminuer notre ratio beauté-habitant. Mais c'est pas trop trop grave. On va s'en sortir. Commençons la journée. Petit sac à dos Tanuki. Petit chaton. Que des informations sur les recettes, ça c'est pas gentil ça. Y a pas un seul qui va vouloir nous donner des informations sur les prix, hein. C'est ouf. Ah. Ça lui semble faire. C'est trop cher ou pas assez cher? Je l'ai sauvegardé au cas où. Ah, une information sur le prix. Ça semble bas. J'aime que ce soit abordable. Ok. Alors, ça nous dit quoi? 10, 10, 10, 10. Bon. Eh bah tant mieux! Tant mieux, tant mieux! J'ai envie de dire. Donc là, il va falloir vraiment qu'on mette l'accent sur la beauté, parce que là, ça ne va pas. Si on pouvait me faire un petit rabais. Ah non. Alors, une start-up prometteuse arrive dans le neighborhood, dans le voisinage. À partir de maintenant, les jeunes auront plus d'argent et pourront acheter des choses plus chères. Aha! Acheter plus cher. Il n'y a pas de raison de se priver. Alors, est-ce qu'on peut rajouter un bâtiment? Un petit combini, ça serait pas mal. Comme ça, je vous montre le deuxième type d'échoppe qu'on peut avoir dans le secteur. Hop. Vous avez vu ça, c'était un bâtiment avec pas de toit particulier, donc avec seulement deux options de décoration. Et ici, on peut choisir donc les objets qui vont être vendus dans cette échoppe. Je vais augmenter le prix à 4, parce que de toute façon, il paraît que tout le monde a plus de sous, donc j'ai envie de dire let's go. Et on n'a plus qu'à commencer la journée. Un petit appareil photo caché ici.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ici? Il a acheté des nouilles et il est content. C'est très bien. Oh, j'ai entendu un chaton. Là. Lui, il a un café latte et il est content. Oh, deux objets là pour les jeunes, ça c'est bien ça. Coup de bol. Du coup, on aurait deux pour les jeunes et un pour les personnes âgées. Ok. Oh, et on va dépasser les 200. Donc je vais pouvoir embaucher le spécialiste qui me donnera les informations sur les bâtiments sans que j'aie besoin de cliquer sur chacun de nos habitants. Et ça, c'est grave cool. Ah, il n'y aura pas de chat aujourd'hui à cause d'un chien qui leur fait peur. Alors ça c'est pas top. Allez, shop survey. Je t'embauche. Ici. Donc on a le café latte qui est apprécié à la fois par les jeunes et par les personnes âgées. C'est très bien. Les onigiri, personne n'en veut. On va taper sur le taiyaki, on verra bien. On va monter le prix également. Visiblement les prix sont bons pour tout le monde. 4, j'ai eu de la chance. Généralement, quand les prix pour les jeunes, enfin quand les jeunes ont plus d'argent et que les personnes âgées ont moins d'argent, les prix sont relativement identiques les uns par rapport aux autres. Ok, on va quand même aller faire un tour ici. On est toujours bon. Ici, on est toujours bon. C'est parfait. Pour commencer une nouvelle journée, une petite lettre avec un petit cœur. C'est trop mignon. Merci, mon tanuki. Parfait. Et maintenant, j'ai même plus à me soucier de quoi que ce soit. Regardez, si je clique sur un de mes habitants, c'est déjà coché là la petite disquette. Donc c'est enregistré par mon conseiller. Et en plus, comme vous l'avez vu, il m'indique pour chaque produit à quelle population c'est intéressant. Donc je suis plutôt content. Donc pour l'instant, on n'a plus qu'à s'occuper des déchets, des chats et des cyclistes. On va augmenter la vitesse. Et si vous avez vraiment la flemme de ramasser les déchets à la main, pensez au conseiller, enfin au spécialiste qui permet de le faire à votre place. Sachant que dans le jeu, il y a un petit succès pour en ramasser 300 à la main. Donc, moi je l'ai fait en 2-2 sur ma partie précédente. J'avais déjà bien poussé le vice avec les missions. Et pareil, vous avez un succès qui consiste à cliquer sur une centaine de chats. Peut-être moins de bonus, parce que c'est normal, on n'avait pas les chatons. Là, il semblerait. Alors, le truc qui me surprend le plus, c'est que les modifications sur le fait que les personnes aient plus ou moins d'argent, même si c'est marqué à partir de maintenant. Ça n'a qu'une durée limitée. Mais je pense que. En fait, je ne saurais pas dire de combien de jours ça dure. Si c'est un jour, 2 jours, 3 jours. Donc là, on va être obligé de redescendre les prix au niveau des ramen pour les jeunes. Et probablement de baisser également les prix pour les produits qui sont intéressants pour les jeunes ici au niveau du combini. Mais j'ai l'impression qu'on a trouvé une recette supplémentaire enfin un produit supplémentaire qui intéresse nos personnes âgées. On a eu la main heureuse. Alors, Mercure est en rétrograde. Pas de chance pour vos finances, vous perdez 50 balles. Oui, ce sont des choses qui arrivent. L'horoscope, des fois. Pour une fois, l'horoscope a un impact. Hein, prenez-y garde. Hop, je vais baisser les prix ici. Alors non, baisser les prix, on a dit, pas les augmenter, parce que sinon ils vont tirer encore plus la tronche. Ok, là-dessus on est bien. Si vous voulez faire un peu de min-maxing au niveau de vos produits et avoir une seule échoppe pour satisfaire un maximum de personnes, visez un 7 sur 10 global.
sur les différents produits, ça sera amplement suffisant pour satisfaire la population avec un bon niveau. Et vous pourrez utiliser le reste pour faire plutôt des décorations. C'est le petit conseil du jour. Bien, donc voilà pour cette découverte, hein. J'ai globalement donné un peu les clés. Après, je vous laisserai voir en fonction des bâtiments, si le jeu vous intéresse bien évidemment, ce que vous allez pouvoir créer et faire dans vos villes, enfin dans vos villes, dans vos rues, puisque c'est un street builder plus qu'un city builder. En tout cas, moi, ce jeu, il m'a bien botté, je l'ai déjà fini, hein. J'y ai joué 5 heures, mais je suis allé comme un gros sac pour pouvoir vous préparer la vidéo le plus rapidement possible. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est calme, c'est reposant, il y a de la pause active. Et on peut vraiment faire une décoration comme on le souhaite au niveau de la ville. Donc c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Merci encore à toi, Sobeka, de me l'avoir fait découvrir. Quant à nous, alors cette semaine, enfin au moment où je diffuse les vidéos, normalement on doit être jeudi soir à 18h, ce qui veut dire qu'on se retrouve à 20h30. Pratiquement là maintenant, vu la durée de la vidéo, il est presque 19h, on se retrouve quand même à 20h30 pour du Timberborn, parce que j'en ai pas fait hier. Ou du moins si j'ai respecté mon planning de la semaine. Donc à tout de suite pour ceux qui me retrouveront. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!